Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un mini haul. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 mai. Donc j'ai fait un petit peu les boutiques avec mon mari, très peu. Mais j'ai trouvé des petites choses. Tout d'abord, mon mari, il a été à un magasin de déstockage où il n'y a que de la marque. Donc tout d'abord, il s'est acheté une paire de chaussures. Voilà. Puma pour courir, lui qui fait de la course, lui qui court et tout ça. Donc il s'est acheté des chaussures comme ceci, voilà, je trouve très joli. Et puis il a fait une belle affaire, voilà, il a fait une belle affaire pour ses petites chaussures. Donc les semelles, ils sont orange et vraiment je les trouve vraiment jolies. Et c'est des Puma, comme je vous ai dit, il y a le Puma écrit ici, voilà. Donc voilà, ça va être mieux pour lui car ses autres chaussures étaient abîmées. Donc voilà, faut savoir que ces chaussures là à la base ils coûtent 130 euros, et là il les a payé beaucoup moins cher. Voilà pour ceci. Donc du coup il s'est pris aussi cette petite chose là, mais je sais pas c'est quoi exactement. Comment ça s'appelle? Des écouteurs MP3. Ouais, c'est des écouteurs en fait pour le sport. Donc ils font Bluetooth et MP3 en même temps. Donc voilà, il vous a tout dit. Donc, et voilà. Ça peut aller dans l'eau, mais à une certaine... Oui, ça peut aller dans l'eau aussi. Ça peut aller dans l'eau. C'est écrit là, normalement, sur le nom. Ouais. On voit. Le petit nageur, là, on voit. Et du coup, il peut aller à la piscine avec. Donc voilà. Et il y a 4 go. 4 go, il y a pas gros. Ça doit pas être beaucoup. Et ça fait, c'est par Bluetooth aussi. Tiens. C'est étanche. Ouais, voilà. Et il s'est pris sa petite gourde parce qu'il va au boulot en vélo. Et du coup, il aime bien avoir sa petite gourde. Puis même des fois, le week-end, ça lui arrive de faire du vélo. Et ça, je sais pas combien tu l'as payé. 5 euros. 5 euros? Voilà, 5 euros. Moins de 2 euros, j'ai vu. Tu l'as payé dans les 3-4 euros à peu près. J'ai vu sur le ticket tout à l'heure. C'est ça. Donc voilà, une petite gourde Adidas. Non. Nike. Nike, je me trompe des marques. Voilà, une petite gourde tout simplement. Voilà, j'ai la lavée. Et voilà, pour ces petites chaussures. Voilà pour monsieur. Alors lui, pendant qu'il a été dans le magasin déstockage, c'est un magasin déstockage de marque, ça s'appelle Intersport plutôt. Ouais, c'est ça, c'est Intersport. C'est ça, Intersport. Ouais, c'est Intersport, mais c'est un Intersport déstockage. Et ben moi, pendant cela, j'ai fait quoi? Ben j'étais à Stockomanie. Donc, à Stockomanie. Je me suis acheté de la lessive parce que ma mère m'avait donné celle-ci et franchement je la trouve bien. Pourquoi je la trouve bien? Parce que dedans il y a la lessive et la soupline, donc je trouve que c'est pratique. Et ça, ça m'a coûté 8 euros. J'ai le ticket là. Oh là, il y a du vent, ça claque. 8,99 €. Voilà, 8,99 € la lessive Ariel, et on peut faire 31 lavages. Voilà, j'ai pris ça à Stockomanie. Franchement, je suis déçue de Stockomanie. Il n'y a plus de rayon maquillage. Alors, j'ai fait tout le tour. Il n'y a plus le rayon maquillage. Je sais qu'à Stockomanie, j'avais vu sur certaines chaînes qu'il y avait des pinceaux Disney. J'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé cette palette-là. Voilà. Alors oui, je disais que j'étais plus trop maquillage, mais quand je l'ai vue, je la trouvais belle. Et puis je me dis, pour le prix, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai payé. Du coup, ça, c'était 4,99 € la petite palette, comme ceci. Il y avait aussi les gloss avec, mais j'avais pas envie de les prendre. Et ça se présente du coup comme ceci. Voilà. Donc les couleurs nude, j'en ai pas mal, mais moi j'avoue que c'était ces petites couleurs-là qui je trouvais jolie avec le pinceau. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, elle fait grande. Hein. Donc voilà, pour cette petite palette. Voilà pour le haul Stockomanie. Ensuite, j'étais à Nose. Pareil, je suis un peu déçue. Mais bon, on a trouvé quand même des petites choses sympathiques. Tout d'abord, j'ai pris deux cadres comme ceci. Parce que j'ai besoin de deux cadres pour mettre des photos. Donc, un cadre m'a coûté 1,20 €. Voilà, 1,20 €. Donc, voilà. Et je suis bête, il m'en manque un autre. Donc, j'aurais dû en prendre
un troisième, mais bon, déjà deux. Et je les trouve vraiment pas mal. Ça fait un peu couleur de mon intérieur. Vous voyez, c'est un peu bois, moi. Donc, je trouve que ça fait bien avec le meuble et tout. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris cette petite trousse-là que je trouvais trop chou, que j'ai payé 1,99€. Voilà, elle est trop mignonne. Ensuite, j'ai pris deux paquets de chewing-gum. Je trouvais que ça valait le coup, les deux paquets de chewing-gum. Donc, un paquet de chewing-gum m'a coûté 69 centimes. Donc, 69 centimes, un paquet de chewing-gum, je trouve vraiment pas ça cher du tout. On a pris des gourmandises. Donc, mon mari a choisi une glace sorbet CE. Tu savais que c'était à la mandarine et au citron ? Bien sûr. Donc, c'est à la mandarine et au citron. Je vais regarder comment c'est dedans. Ah oui, elle est remplie à fond. Je vais pas ouvrir parce que quand je mets mon doigt, c'est rempli à fond. Moi, j'aime bien les glaces comme ça, de cette marque-ci. Parce que souvent, ils sont bien remplis à ras-bord. Voilà. Et moi, gourmande comme je suis, j'ai pris au cookie. Au cookie chocolat, là. Voilà, j'ai pris ça. Et franchement, c'est grand. Et ça, je ne sais pas combien ça m'a... Ça... C'était combien les glaces ? Les miens, c'était 1,40€. Alors, c'était 1,49€. Non, voilà. 1,40€ le mien. 1,40€, voilà. Donc, la mienne, c'était 1,40€ aussi, vu que c'est la même marque. Donc, 1,40€, ça, franchement, c'est pas cher. Sachant qu'en magasin, c'est dans les 6€. Donc, franchement, belle affaire. Et l'affaire que j'ai fait, donc, je sais que la taille est trop petite. Mais après, c'est pas grave. Soit je vais offrir, soit je le revendrai. Mais c'est un t-shirt Pokémon. C'est une taille L. Ouais, ça va être petit. Il m'aurait fallu un XL. C'est dommage parce que je l'aurais bien aimé. Je le trouvais joli en plus, couleur violet et tout. Mais ça va être juste, ça va me serrer, ça va me boudiner. Mais c'était 3,99€. Oui, 3,99€ le t-shirt Pokémon. Donc, il est trop beau. Moi, je l'aime bien, mais il va être trop petit. C'est sûr qu'il va être trop petit. Je me suis dit, c'est pas... Ah, je crois que c'était écrit S. Ou pour toi ? Mais il est trop beau. Franchement, taille L. Et encore, je dirais taille L, ça fait juste. Moi, je dirais ça fait plutôt un taille M. T'es pas d'accord ? M ? Ouais. Ça, quand tu regardes, il y a du M. Ouais. Franchement, il dit L, mais je dirais plutôt que c'est un taille... Ouais, ils ont pris les tailles de Chine. Je dirais que c'est plutôt une taille M que L. Pourtant, c'est écrit L. Franchement, quand j'ai vu 3,99€, ça, sachant que ça coûte peut-être une vingtaine d'euros, et ben vraiment, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, monsieur a dit que ça sera pour lui. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Il n'y a plus rien à présenter. Voilà le petit haul. Voilà, il n'y a pas de truc foufou. Je suis contente pour mon mari, il s'est trouvé ses chaussures. Il a fait une très très bonne affaire, donc... Je suis contente et puis je suis contente aussi d'avoir du coup pu m'avoir chopé cette petite palette parce que j'avais déjà vu sur certaines vidéos. Donc vraiment elle est belle mais je ne m'attendais pas à cette taille là, elle est vraiment grande. J'aurais cru qu'elle soit plus petite mais en vérité si on voyait ma main, vraiment elle est vraiment, elle fait grande quoi. Donc voilà, je suis contente pour ceci. Ce soir devant la télé, on va se manger notre petite glace. Et voilà, donc, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Dites-moi vous si dans votre nose vous trouvez des choses. Mais franchement, moi le nose à moi, il est de plus en plus pourri. J'y étais il y a, je crois, 3 semaines à moi. Quand j'étais avec Nancy, quand elle est venue nous voir chez nous. Et ben, il y avait les mêmes choses. Il n'y avait rien de nouveau. Franchement, il n'y a rien en maquillage. Il n'y avait pas d'arrivage de maquillage. Il n'y avait que dalle. Vraiment, que dalle, que dalle. C'est ça que tu cherches. Merci. Et il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Ouais. Voilà, j'en ai quand même pour 14€ à Nose. Et à Stokomani, j'en ai eu pour, du coup, une petite quinzaine d'euros. Donc, voilà.
n'y a pas grand chose, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Dites-moi tout ça en commentaire si dans votre nose vous trouvez des choses. Je sais que Marilyn de la chaîne Bilouchette, le monde de Petite Bilouchette, ah, je me rappelle plus à chaque fois de sa chaîne, je vous mettrai sa petite chaîne là. Allez la suivre. Je sais que dans son nose, elle trouve pas mal de choses, mais je crois qu'elle en fait plusieurs. Et nous, bah, c'est pas facile vu qu'on est, on est à pied, on n'a pas de voiture. Bah, c'est pas facile, mais je sais que le nose qui est bien, pas loin de chez moi, c'est le nose de Bayeux. Il est très bien, le nose de Bayeux. Il est bien rangé, il y a toujours des choses. Le make-up, c'est en vitrine et tout. Je trouve qu'il est pas mal. Bref, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser là pour de vrai. Je vous fais des bisous. Et dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo.